En fin de cette semaine, nous allons commémorer le 75e anniversaire de l'évacuation de Dunkerque. Pour nous Britanniques, c'était un événement majeur de la Deuxième Guerre. Au début de la guerre, une armée expéditionnaire britannique est venue au soutien de la France. En avril-mai 40, ils se trouvaient de plus en plus acculés contre la Manche par les troupes allemandes. Et entre le 28 mai et le 4 juin, nous avons fait une évacuation dans les circonstances héroïques de 340 000 soldats, dont 120 000 Français. Et l'armée française a joué un rôle majeur aussi dans la protection de cette évacuation. C'était essentiel pour nous de sauvegarder notre armée. Si tous nos soldats étaient pris en prisonniers, ce serait extrêmement grave pour nous en termes de continuer la guerre. Mais pour arriver à cette évacuation, nous avons dû mobiliser toute une flotte de petites embarcations venant de la Royaume-Uni, bien sûr des vaisseaux de guerre, des navires marchandises, jusqu'aux yachts de plaisance et de toutes petites embarcations. Tout ce qui pouvait flotter traversait la Manche et sauver les soldats des plages de Dunkerque. Et cet événement avec la mobilisation de tellement de petites embarcations, ce que nous appelons « the little ships », c'est rentré dans notre mythologie comme un symbole de notre capacité de défiance et de mobilisation collective. Pour ce 75e anniversaire, il y aura une cérémonie à Dunkerque, la ville de Dunkerque se mobilise pour cela. Son Altesse Royale, le prince Michael of Kent, va présider cette cérémonie. Ce sera suivi aussi par une défilée internationale et tout le monde est invité le 23 mai à Dunkerque pour participer à cette commémoration d'un événement exceptionnel qui a permis au Royaume-Uni de continuer de résister et continuer la guerre dans ces mois difficiles de 1940.